Le concert de critiques n'est pas encore terminé. Rarement aussi malmené que lors de cette édition 2021, marquée par le happening dénudé de Corinne Massiero et les coups de gueule envers Roselyne Bachelot, les Césars sont cette fois égratignés par Michel Sardou. Je suis partie à la fin de l'intro de la petite Marina Foïs, avec sa merde à la main. Je ne suis pas client de ça, a-t-il lâché dans Le Parisien. Mais plus que l'humour de la maîtresse de cérémonie, ce sont les discours très politisés qui ont visiblement gêné Michel Sardou. Je me suis dit, ça va être une catastrophe. Je pense que ça l'a été et je me demande si cela a servi le cinéma français, juge de chanteurs et comédiens, qui préfère les Oscars aux États-Unis, ces cérémonies, les victoires, les Molières, ne me passionnent pas. En France, il y a des règlements de compte, c'est toujours un peu coincé. Parenthèse fermante. Cette année, on aurait dû annuler les Césars. On était sûr que les artistes qui sont au bout du rouleau allaient manifester leur malaise. J'espère que les prochains seront meilleurs. Il défend son amie la ministre. Une façon de défendre au passage son ami ministre de la Culture, objet de nombreuses critiques sur la non-réouverture des salles de spectacle à cause du Covid-19. S'il comprend que les artistes gueulent contre leur ministre de tutelle vu la situation, et qu'il pense qu'on pourrait tenter de rouvrir un peu en prenant les précautions nécessaires, Michel Sardou estime que les attaques vont trop loin. Je trouve injuste qu'ils mettent tout leur malheur sur le dos de Roselyne. Elle fait ce qu'elle peut. La culture n'est pas un ministère décisionnaire. Elle passe bien après l'armée, l'intérieur, Bercy. Moi, je l'aime beaucoup, ajoute celui qui vient d'être élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Preuve qu'il n'est pas rancunier envers Roselyne Bachelot, puisqu'après avoir été décoré par la ministre, qui a par la suite révélé être atteinte du Covid, il se retrouve aujourd'hui qu'à contact.